Hey, how are you, Minasan? C'est Gunshow et aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Et ouais, bon, je vais vous faire juste un petit topo avant ça parce que j'ai essayé, on va dire, de recordre, on va dire, ma petit épisode. Et on. Il n'y a qu'Alen qui a le cran de tenir tête. Et on va dire que c'est mal passé entre guillemets. J'ai fait une connerie. Et que Farabor a été rayé de la carte. Donc là, on va dire que ce sera pas fait comme c'était fait dans la version qui devait être normalement bien sortir. Donc voilà, donc ça sera pas. Donc voilà, déjà. Donc soyez sûr que Farabor sera toujours là. Parce que j'ai activé les. Enfin, désactivé les Eloïennes. Qui permettait à Farabor de vivre, qui est près de la base en fait, qui est juste là, on va dire, juste ici, maintenant du parc éloïen. On va dire, j'ai activé le machin et ça fait exploser tout là, Farabor, et voilà. C'était un peu le bordel et je voulais pas vraiment faire ça. Donc voilà. Donc ça sera niette. Que dire. Et aussi il y a certains trucs que j'ai pas encore découvert. Bon, je vais quand même y aller vers le parc Eloïen après, plus tard. Pour découvrir le machin et pour essayer de tuer le truc que j'avais reçu là-bas. Sans activer le machin, bien sûr. Après il faudrait que je visite là-bas. Mais d'abord je crois que je vais faire ça, la quête principale. Bon, j'espère que ça va pas trop heurter là. La sensibilité des personnes. Parce que je m'apprête à faire un génocide, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Hein. Après, c'est mon histoire. Après voilà, parce que je suis pas très ami avec les synthétiques. Donc voilà, donc. Ne soyez pas outrés. Donc voilà. Merci aussi. Comme. Putain, mais... Ok, d'accord. Ah oui, une jambe en cuir, youpi. Donc voilà, c'est parti, hein, que dire. Et aussi, j'espère que quand même vous avez apprécié la qualité de mon contenu sur Fallout 4 plus que ce régulier, enfin de jour en deux jours. Donc voilà, je sais pas. Et aussi, il faudrait que je retrouve l'armure complète là du. Que j'ai sur moi, alors du moins j'ai le casque, mais j'aurais bien voulu avoir le reste quoi. Les Marines là. Du coup, je pourrais la choper cette armure. Faudrait que je me renseigne. Parce que là, franchement, je ne sais point où aller. Je crois que j'avais entendu comme quoi il y avait une cargaison qui était je sais pas où, mais je ne sais pas où aller. Donc là. Ouais, il faut aller là-bas. Elle a fait un petit peu de glitch. Quant à faire, je vais faire en premier, mais sans activer le machin comme j'ai dit. Donc là, en fait, il faut venir là. Enfin, si vous voulez dire adieu, on va dire aux habitants de Farabor, rentrez là-dedans. Comme ça me fera de l'XP aussi. Donc voilà. Mais par contre, je n'activerai pas le machin. Donc voilà, là, il n'y a pas ça. Voilà. Et là, en plus, on voit des enfants d'atomes qui sont faits défoncer. Donc pour la technique, en fait, il faut récupérer ça, enfin la technique entre guillemets. Hein. Il faut juste récupérer ce truc que j'ai récupéré juste à l'instant. Récupérer là. Donc quand vous avez toutes les parties, ben en gros, vous allez juste les remettre ici. Voilà. Là, il y a des radouets, tac tac. On active ça. J'ai vite fait. Hop. Intrus détecté. Des contre-mesures. Ouais. Adieu. J'adore la le truc. Alors ça. Je sais qu'il y a un enfoiré de robots là. Il y a actuellement. En fait, il y a deux robots. 4 ou 5
tourelle de défense. Et il y a bien sûr l'objet qui... Là, qui fait qu'il arrête le parc Eloyen, voilà. Et en gros, ça, avec ça, ben, Faraborn n'existe plus. On va éviter d'arriver à cette chose. Donc, voilà. On va prendre ça, un petit... Hop... Ouais, je crois que ça suffira, ça. Merde. Je sais qu'il y a un truc pas cool. Et en plus mon robot il reste comme un con à l'entrée quoi. C'est complètement la panne. Enfin... What the fuck. Il y en a une qui se ramène. Je hais ces robots. Je hais ces robots. Putain mais... Saloperie. Par contre cette saloperie là... Laisse là. Ah ouf. Je hais ces créatures. Avec ça, il est où ce cadavre? Ah, il est là. Une machette. Sérieux. Personnellement, j'aurais préféré... J'aurais préféré l'autre postal qu'il m'aurait donné quand j'avais fait le machin. Mais bon, je vais pas remettre le couteau dans la plaie, hein, c'était un bon truc. Donc voilà, en fait là ici, normalement il y a pratiquement que dalle, il y a juste des conneries. Voilà, la troisième, la quatrième truc, voilà. Donc là il y a que dalle, ça sert à nous regarder. Ça c'est turbine, de toute façon on peut rien faire dessus. Voilà, on va faire une série, voilà, tac tac tac. Et là, il faut pas vraiment toucher si vous voulez pas que Faraborn. Bon, ça c'est rien ça. Si Faraborn voulait que. Ben voilà, qu'il n'y ait plus Faraborn, vous allez ici et vous activez le machin. Et voilà, dernière tourelle, elle est là, voilà. Donc personnellement, j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. J'ai pas envie qu'il creve Faraborn. Mon but en fait c'est juste de tuer les synthétiques, hein. pas tuer les humains, voilà. Donc ça, c'est ça, voilà. Donc là, je suis rapidos. Non. Voilà. Donc voilà. Donc en gros c'est là en fait que vous pouvez détruire Faraborn et perso, j'ai pas envie. Donc voilà, c'est vraiment dégueulasse à la fin. Donc voilà, alors cette fin hop. Donc on passe par là. Allez, 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 je sais que tu peux. Allez, vas-y. Allez, glitch. Par contre là c'est les synthétiques. Je m'en fous un peu. Bon, j'espère que na... enfin, la fille en fait qu'on devait rechercher, elle est là. En sécurité, hein.
dalle. Ok. Allez, on rentre dans Acadia. Dima. Un âme Victoria. Gloria, Victoria. What? Eh, mais tirez pas sur na... Ah, mais fuck! Ok, bon voilà, fuck. Ben, on va voir, Jay. Au revoir, jeune demoiselle, je voulais te sauver, mais bon. C'est pas grave. Je sais, je vais te fouetter pendant dans les commentaires, je sais. Mais bon, je ne savais pas que, franchement, ça allait finir comme ça, sérieux. Enfin, si, techniquement, j'ai déjà fait, mais j'aurais pensé, voilà quoi. C'est pas grave, hein. On va l'aider. Bon, elle a pas souffert. Le mec, c'est... Enfoiré. Saleté synthétique. Ok. Pépé pour les sentiers qui sont morts. Hop là. Donc là, je vais un petit peu récupérer tout ce que tout ce qu'il y a besoin à récupérer. Voilà, tac tac. Donc là, c'est un petit épisode, je pense. Je récupère un petit peu tout ce que je peux, ce que je veux du moins. Et on se retrouve devant le chevalier. Ok, allez, c'est parti. Bon, ben on va parler au chevalier. Hein. Voilà, j'ai ramassé ce que je voulais. Salut Larsen. Ça aurait pu être pire. Il en reste pas d'autres, c'est sûr. Ouais. Détendez-vous. On les a tous éliminés. Vous avez vu cet endroit et ce qu'ils étaient en train d'y faire. J'imagine que vous comprenez mon inquiétude. Le fait que ces synthétiques agissant de leur propre chef aient formé ce groupe et commencé à bâtir une communauté, c'est proprement terrifiant. Leur seule présence ici est un véritable affront à la confrérie et à tout ce qu'elle incarne. On a rendu un fier service au monde en les éliminant. On va rester sur l'île un peu plus longtemps, afin de nous assurer qu'on a bien achevé le travail et d'éliminer d'éventuels éléments isolés. On a fait du bon travail ici. On peut en être fier. Ouais, Victoria. Ah putain, je suis vraiment désolé pour elle. J'aurais bien voulu la sauver, mais bon.
Je sais pas si je choisissais en fait la confrérie pour tout raser, que ça je pouvais pas la sauver. Hein. Voilà, attendez, je crois qu'il y a un truc ici, je suis pas sûr, mais je crois que je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Clé de réserve d'Acadia. Ok, la réserve d'Acadia, je crois que je... Ouais, c'est en bas, ouais, c'est qui est en bas, ok. Bon. Mais voilà, mais on a plus qu'à quitter cet endroit. Hein. Donc donné, il reste plus qu'à utiliser la clé lancement pour notre meilleur. Purger la terre. Ouais, il me reste ça encore à faire. J'ai pas envie de tuiser. Enfin, de détruire. C'est quoi ce Big Mac? Ah, ok, mais je vais au noyau alors. Avant ça, je vais y aller à Farabor. Ouais, vendre des trucs et tout là. Ok, bon. Faire mes emplettes. Allen. Si seulement tous mes clients étaient comme vous, que puis-je pour vous? Montrez-moi ce que vous avez. Faisons affaire. Ok, ça c'est fait. Tout ce dont vous avez besoin. J'ai 1200. Vous avez besoin de noyer vos soucis? Allez voir Mitch au grand marché. Ok, bon, allez, ça c'est fait, tac tac, j'ai fait mes serres, j'ai changé avec des choses. Hey. En quoi puis-je vous aider, monsieur? J'ai changé. Voilà ce que j'aime. Alors, j'avais vraiment pris des choses, waouh, c'était what the fuck. Ok, donc voilà, on va purger la truc, on va aller là-bas, le noyau. Ok, voilà. Wop, oh, putain. Cette rade là qui fait un 2 par seconde là. Nanuka en slow motion. Et je bois ça moi. Oh mais gueule. Enfin mon perso Ona, je bois ça. Mort, toi.
je vais me prendre une armure comme ça. Et je verrai que ça donne, je vais l'améliorer. Je sais pas si je pourrais. Jambière droite d'armure de marine. C'est ça, non? C'est ça, mais... Ok. Mais si c'est ça, ben, je mettrai ça. Hein. Franchement, cette armure me plaît. C'est ça. Bon, allez, c'est parti. Allons au noyau. Allons découdre de ces cinglés de la rade. Bon, par contre, eux, c'est vraiment utile de les tuer parce que c'est vraiment des cinglés. Je m'en fous un peu de. Hein. Ce sont ces canards. Ils sont à tuer. Ouais, je sais que t'as détesté. Je vais les redétruire en fait, c'est ça. Enfant de l'atome, crevez. Meurs aux enfants de l'atome. Meurs aux synthétiques, meurs à ça, putain. Meurs aux monstres. Ah, je sais, je suis un enfoiré. Mais voilà, après, je sais pas. Alors, ça c'est pas mal ça. Voilà. Je crois que je vais me donner à Tom, toi t'es vraiment cinglé. De toute façon j'ai déjà ramassé partout, j'ai déjà fouillé ce que je voulais. Atom, je vais t'envoyer chez Atom. Surveiller à Tom, tu vas voir, tu vas aimer. Tu vas aimer. Ah,
Non, toi t'es mort. Ok, maintenant il faut aller dans le vaisseau. Ok, nous voilà dans le machin. Quels sont ces chuchotements que j'entends dans son rayonnement? Son rayonnement, les aveugles. Ta gueule. Démarrage de la séquence de lancement du missile. Protocole de verrouillage enclenché. Fermeture des portes de sécurité dans 30 secondes. Verrouillage dans 25 secondes. Verrouillage dans 20 secondes. Merde. Verrouillage dans 15 secondes. Non, y'a pas un truc intéressant là, y'a... Verrouillage dans 10 secondes. Sérieux là? Moi, je suis en recherche d'une armure en fait. Verrouillage dans 5, 4, 3, 2, 1. Verrouillage terminé. Début du lancement. Je crois que j'ai fait une erreur, non? Ah, quel con! Verrouillage dans 5, 4, non! 3, non! 2, mais non! C'est une blague! C'est une blague! Je vous dis, c'est une blague! Verrouillage dans 5, 4. Mais lol, 3, non! Ça, 2, ça m'a mis remis 1. Là! Verrouillage terminé. Putain, mais. Oh, je m'en fous, j'espère qu'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant, sinon je m'en mords des doigts. Verrouillage dans 15 secondes. Ok, t'es au sang, voilà. Verrouillage dans 10 secondes. Verrouillage dans 5, 4, 3, 2, 1. Verrouillage terminé. Début du lancement. Vous avez aussi obtenu survivant du phare à bord qui accorde bonus à tous les types de résistance et dégâts. C'est fantastique ça! Donc voilà, alors ça c'est fait, voilà. Et maintenant je fais quoi? Bah ben, j'ai plus que ça à faire hein. Voilà, ben allons rentrer, voilà. Ok, maintenant on est là. Taisez-vous tous. La lumière aveuglante. Ce qu'on dit est vrai. C'était une explosion nucléaire. Les enfants d'atomes. Ils sont tous morts. Il était temps. Allen, on n'était pas toujours d'accord, c'est vrai. Mais des tas de gens ont perdu la vie. Certains. Ah ouais, elle, c'est tous. Physique.
Mais certains méritent qu'on pleure leur mort. Et d'autres encore étaient des amis ou des membres de notre famille qui ne voyaient pas les choses comme nous. Ils se sont fait laver le cerveau, vous voulez dire. C'est un moment de recueillement. Allez, s'il vous plaît, observons quelques instants de silence. Merci. La personne qui a réduit à néant les enfants d'atomes. Voilà quelques capsules rien que pour vous. Et si vous avez besoin de quelque chose en boutique, prévenez-moi. Comment ça va ? C'est ça. Montrez-moi ce que vous avez. Ça marche. Allen est très occupé à faire sauter les enfants d'atomes. Achetez. Ok, bon, ben ça c'est fini, hein. Voilà. J'espère que, on va dire, cette extension vous a plu sur Phare à bord. Donc voilà, donc mettez un like si vous avez apprécié, voilà, et après voilà. Faites comme vous voulez. Bon. Mais allons quand même finir le chapitre chez Nakamura. Allez. Au revoir, Phare à bord. Ciao! Hasta la vista! Et voilà le continent ancien! Allez! Il va être en deuil, fuck. Bon. Au pire, je verrai sur d'autres let's play ou aller voir sur d'autres let's play. Hein. Il y a celui de Irradier qui est normalement qui est en train de le faire ou qui l'a fini. Donc, allez check. Peut-être que lui il a sauvé la belle demoiselle. Donc, voilà. Voilà. Bon. Et allons annoncer la mauvaise nouvelle. Hein. Putain, elle va être dur à encaisser. Ah, votre fille, ben elle est morte. Elle a pris une partie des ces synthétiques. Non, pas ça. Monsieur Nakano, j'ai une mauvaise nouvelle. Kazumi n'a pas survécu. Rip. Comment ? Vous deviez nous la ramener saine et sauve. Que s'est-il passé ? Qu'ont-ils fait à ma petite fille ? Vous êtes sûr de vouloir le savoir, Kenji ? Non. Notre Kazumi, notre petite fille, c'est exactement ce que je craignais. Elle est morte à cause de cette histoire de synthétique. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi qu'elle était toujours ma petite fille. Je n'ai aucune preuve. Nous restons donc dans l'ignorance. Elle est morte dans le nord, où il y a plus longtemps que ça, avant d'être remplacée. S'il vous plaît, partez. Ma femme et moi, nous avons besoin d'être seuls. Ok, voilà. Voilà. On va pas les trop les chagriner, hein. Voilà. Bon, ben je vais leur dire, Phare à bord est fini. Donc voilà, bon après, je pense que j'y retournerai pour... Pour limite, que dire. Ouais, il faut que je retourne voir parler à Ellie. Ah ben voilà. Elle était là. En fait, les amis, je vais retourner sur le Phare à bord, mais avant ça, je vais faire vite fait une petite ellipse. Je vais partir à ma base.
faire les trucs, voilà, et après j'y vais là-bas. Et voilà, on est arrivé. Ok. Donc il faut aller où? Ok, elle est là-bas. Et ça, c'est pour parler. Allez, ok. Bon, mais on va se TP là-bas. Ok, là on est le plus proche. Parce que franchement, cette armure de combat m'intéresse fortement. Donc, on va. Il n'y a pas de temps de niaiser, on y va. Pas le temps de niaiser. Nice. Alors là il y a un morceau. Il faut aller où après? Ok, il faut aller là. Ouais, je vais me TP là. Ok. Vive la plongée synchronisée. Merci Bethesda. Heureusement qu'il n'y a pas des bestioles dans l'eau, parce que là ça aurait été relou. Enfin, si, il y a des bestioles, mais voilà, il y a. Enfin, les bestioles, voilà, vous avez compris. Heureusement que j'ai. Pas de problème de respiration, moi. Toc toc toc. Voilà, j'ai récupéré les jambières. Je sais pas si je peux me TP d'ici. Oh. Saleté. Ouais, il faut aller tout droit. Là, il y a une grosse bestiole sous-marine qui m'avale. Ah là, je rigole. Ça m'étonnerait, mais bon. Donc voilà, carte. Normalement, je peux me barrer comme ça. Vous voyez un, ouais. Ok, nous revoilà. C'était une sacrée plongée sous-marine. Donc voilà, alors, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, tac tac tac. Je crois que je vais équiper ça. Voilà. Bon, certes, il y aura pas de passif grandiose dessus, après je m'en fous un peu. Mais moi c'est pour le design que franchement je voulais cette armure. Après les passifs, hein. Bon, après, le casque marine, ça j'en ai déjà un sur moi. Donc, ça, c'est ça. Voilà. Voilà, moi je trouve qu'elle est swag, elle est trop bien. Voilà. Il manque pas un. Hein. Si, j'ai oublié d'en activer un. Sur l'autre côté. Voilà. Bon, bah, je suis avec mon armure, voilà. Vite fait, je sais, je suis chiant, mais bon. Je vais à la base de Sanctuary, je la modifie. Ok, je suis arrivé là. En fait, la quête est finie ou d'hiver? Ouais, elle est finie, ok. Alerte aux radiations. Et voilà. Bon, j'ai mon armure, voilà. Donc maintenant, vous me verrez comme ça. Voilà. Bon. Voici mon armure. Donc voilà. Oh, je trouve qu'elle est pas mal comme ça. Bon. Ben voilà, ça c'est fait.
350 maintenant, ok. Parce que j'ai mis, comme j'ai pas les passifs que j'avais sur mes autres armures, ben j'ai dû changer. Donc voilà, j'ai posé les trucs. Au pire, je vais les poser là, mes armures que j'avais sur moi. Si j'ai une nostalgie. Ah, je peux pas modifier, bon, c'est pas grave. Allez, je file chez Ellie là. Hop, on va faire ça, tac tac. Et sur la fin de la vidéo. Tac tac tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta 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 ta. Disons que l'affaire est classée. On en reste là. À ce point-là ? Très bien. Je marque l'affaire classée et je la range dans le tiroir des affaires qu'il vaut mieux oublier. Merci d'avoir résolu cette affaire. Je savais que tu ferais du bon boulot quand tu as commencé à bosser avec Nick. M'oublie pas, détective. Ok. Voilà. Bon, mercenaire, c'est fait, voilà. J'espère que quand même ce let's play sur Phare à bord vous a plu. Donc, maintenant, ben, ça va être en marche pour la fin du let's play, entre guillemets, principal. Bon, après, je vais vous dire, il y a la campagne, on va dire, entre guillemets, Nuka-Kula. Nuka-Kula qui devrait arriver, Kula, donc, Kula. Donc, en gros, ben, on se retrouvera pour ça, mais d'abord, on va faire place à la mission principale de Fallout 4. Donc voilà, c'était Gancho. Bye bye!